ce serait vraiment trop bien de pouvoir inviter quatre réalisateurs assez connus pour faire des courts-métrages avec des comédiens qui sont débutants ou bien qui ont de l'expérience au théâtre mais pas vraiment au cinéma, pour pouvoir vraiment les mettre en lumière et créer un événement au sein de la Fédération Wallonie Bruxelles qui soit l'événement où on met des jeunes comédiens en lumière. Et c'est comme ça qu'est arrivée cette idée de la Belge Collection. Et lors de cette deuxième collection, comme la première s'était bien passée, on a continué de proposer à des réalisateurs d'expérience, comme Jessica justement, qui tourne aujourd'hui, de faire un film avec nous. Là ici, c'était vraiment une carte blanche qu'on donnait aux réalisateurs. Ouais. Donc nous, le choix s'est porté vraiment sur certains réalisateurs avec qui on avait envie de travailler, qu'on aimait bien le travail. On leur disait, vous êtes libre, vous écrivez sur ce que vous voulez. Mais avec des contraintes. Mais avec une contrainte qui est de 15 minutes par film. Deux filles comme comédiennes, deux garçons comme comédiens. En rôle principal. Pour les autres rôles, on pouvait mettre qui on voulait. Ouais, tout à fait. J'étais en Sicile en repérage pour mon tout dernier film que je termine en ce moment. Et j'ai reçu un coup de fil de Angie Productions. Et ils m'ont proposé ce projet. Dès le départ, j'étais très dédiée surtout à cette idée de travailler avec les comédiens. Donc de construire avec eux. Et l'exigence, c'était aussi d'avoir deux jeunes femmes, deux jeunes hommes. Et de... pas nécessairement d'avoir quatre rôles équilibrés, mais en fin de compte, en fait, c'est ça ce qui est surgi, c'est une flotte de stewards, stewardesses qui travaillent pour une compagnie aérienne qui s'appelle La Flotte. Donc, déjà le titre annonce quelque chose. C'est deux jeunes femmes, deux jeunes hommes qui se retrouvent dans un vol. Maudit. Ouais. C'est vraiment des chances qui s'offrent à des comédiens. Ouais. Et je trouve ça génial. Nous, on est là toujours sur le tournage. On est curieux aussi. On apprend, on voit comment les réals travaillent avec les comédiens. Il y en a qui sont beaucoup. Ils travaillent beaucoup la répète, la répétition. Et puis, une fois sur le plateau, ils sont imprégnés aussi des répétitions dans les lieux. Donc, il y a un naturel qui se dégage. Et ça vient. Enfin, ça vient vite. Enfin, nous, on aime bien, en tout cas, suivre un peu tout le processus. Et on pense que... En tout cas, je pense que l'occasion ici, c'est vraiment de créer des nouvelles rencontres qui créent des formes, des nouvelles formes. Le fait de faire rencontrer un nouveau réal avec des nouveaux comédiens, fait de faire rencontrer des nouveaux techniciens ensemble. Après, vous allez me dire que c'est la base du cinéma en Belgique, mais n'empêche qu'ici, j'ai l'impression que comme c'est du court-métrage, que malgré qu'il y ait quand même pour nous une espèce de pression de terminer les films, mais qu'il n'y ait pas une pression des chaînes ou une pression de vente avec une star derrière, par exemple, je pense que ça donne beaucoup de liberté aux réalisateurs et ça, c'est quand même assez chouette.